Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de comment créer un compte PayPal sans restriction en Afrique. C'est-à-dire un compte PayPal capable de recevoir et d'envoyer l'argent sans problème. Vous pourrez effectuer vos paiements sur votre compte PayPal sans restriction en Afrique. Alors, avant qu'on commence, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un gros pouce bleu. Car ici, on adore les pouces bleus. Et on est parti. Voilà, pour cette méthode, on se retrouve sur Google. Vous tapez PayPal United Kingdom. Voilà, on va tout simplement créer un compte PayPal domicilé au Royaume-Uni. Et vous appuyez sur le premier lien. Voilà, ici on est sur le site officiel de PayPal des Royaume-Uni. Voilà, vous appuyez sur Sign Up. Vous appuyez sur Sign Up pour créer le compte. Si vous choisissez personnel compte, vous appuyez sur Next. Ensuite, on va vous demander le numéro des Royaume-Uni. Donc ne vous inquiétez pas, je vais monter une méthode pour avoir ce numéro. Vous venez sur Google, vous tapez receivesms.com. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien dans la description. receivesms.com. Ensuite, vous choisissez le premier lien. Voilà. ReceiveSMS est un site qui va nous permettre de recevoir le message de confirmation que PayPal va envoyer. Vous choisissez n'importe quel numéro à part le numéro premium, là où c'est payant, mais sinon avec un numéro gratuit ça peut passer. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a des messages de confirmation qui viennent à tout moment. Donc vous copiez le numéro, collez sur PayPal, ensuite vous appuyez sur Next. Voilà, et PayPal va envoyer le code de confirmation. Donc on revient sur le site et on rafraîchit, on actualise. Voilà, connaît pas encore, là on réactualise. Voilà, comme vous pouvez le constater, le code vient d'arriver et vous copiez tout simplement le code, vous collez sur PayPal, vous collez le code sur PayPal. Voilà, là, on nous demande nos vraies informations, l'adresse email, le nom, le prénom et de créer un mot de passe. Voilà, donc moi je vais mettre mes vraies informations. Vous aussi mettez également vos vraies informations. Je mets mon adresse email, mon nom, mon prénom et je crée le mot de passe. Ensuite ici on va nous demander les informations d'une personne vivante au Royaume-Uni. Donc ici on va nous demander les informations d'une personne vivante au Royaume-Uni. Ne vous inquiétez pas, je vais monter une méthode pour avoir ces informations. Vous venez sur Google, vous tapez Fake Name Generator United Kingdom. Fake Name Generator United Kingdom. Vous appuyez sur le premier lien.
deuxième numéro si ça vous tente. Et là, comme vous pouvez le constater, la devise principale, c'est le livre sterling. C'est le sterling. Donc, je vais vous montrer comment changer la devise principale. Vous appuyez sur portefeuille. Voilà, vous descendez. Et vous appuyez sur ajouter une devise. Voilà, là il y a beaucoup de devises, mais moi je vais prendre l'euro pour ma devise principale. Je prends l'euro, vous pouvez prendre le dollar, peu importe, ça ne tient qu'à vous. Moi je prends l'euro et vous appuyez sur ajouter une devise. Ouais. Ensuite vous appuyez sur terminer, vous venez là où c'est écrit euro et vous appuyez sur les trois points au coin. Vous appuyez sur make premier euro. L'euro va devenir ma devise principale sur mon compte PayPal. Voilà. Et comme vous le voyez ici, ça a changé. C'est maintenant l'euro. Voilà. C'était tout pour la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'essaierai de répondre. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!